دونك اليوم حنا في رحاب كليه الطب لاجراء واحد مباراه اللي سميتها اطروح هاتف في 3 دقائق، وتتعلق بطريقه تتعلق اولا بالشباب، الشباب الباحثين، وهما اليوم بصدد تقديم الاطروحه ديالهم بشكل مبسط اللي يقدر يفهموه كاع الناس. فيها لا فاسون دو كومونيكي، الطريقه ديال الالقاء بالدرجه الاولى، ولي كريتير اللي تعتمدوا عليهم، وتكون طريقه بسيطه اللي يقدر يفهمها اي واحد بطريقه مبسطه. حنا اليوم في الدوره التاسعه، وهي مباراه جهويه في انتظار بيان سور تاهل جوج ديال لي كانديدا باش يشاركوا في المباراه الوطنيه. Et cette année, nous avons le plaisir et l'honneur d'organiser la 9e édition de ma thèse en 180 secondes. C'est un événement très important car il permet aux jeunes chercheurs, aux jeunes doctorants de développer leurs compétences scientifiques, de mettre en avant aussi leurs objectifs par rapport à leur thèse. Hypnozor aussi a l'occasion d'organiser en même temps cette année la nationale de ma thèse en 180 secondes ici même à Agadir. Donc, le concours de ma thèse en 180 secondes, c'est un concours normalement international. Nous sommes à la 9e édition. Alors le concours surtout vise à vulgariser les travaux des doctorants scientifiquement, c'est-à-dire pour un public profane, et en 3 minutes. Et c'est ça le challenge. 3 minutes avec des mots qui sont très très simples. Alors cette année, nous avons la chance d'organiser bien sûr la finale régionale de l'Université Ibn Zohr, mais également nous allons organiser le 8 juin la finale nationale qui va regrouper les 12 universités publiques du Maroc avec 24 candidats. Donc c'est un challenge que nous relevons. Alhamdoulilah, nous avons déjà eu l'occasion de participer à des finales nationales où nous avons à 3 reprises décroché la 2e place nationale. Voilà, donc nous espérons que ce concours aura bien sûr sera une réussite.